Salut, gens de l'Internet, je m'appelle iCode. Aujourd'hui, je suis vraiment beaucoup malade, les amis. J'ai été intoxiqué par la maladie des sans-vie. Donc, comme j'ai pas d'amis, vous savez, j'ai des maladies spéciales. Donc, aujourd'hui, les amis, ça va être une vidéo vraiment spéciale parce que vous allez entendre une voix vraiment de canard. Ça va être vraiment drôle, je l'espère pour vous. Vous pouvez vous moquer de moi dans les commentaires, ça sera encore plus drôle et j'irai encore plus pleurer le soir dans mon lit. Là, je vais me TP à Aishizu. Il va me TP à la cocaïne parce que j'avais oublié. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'avais oublié que comme quoi que le PVP était. Pas le PVP, mais j'avais oublié de mettre un home la dernière fois. Donc, cette home, cocaïne, coca. Merci, gros. Et là, il faut aller là-dedans. Et là, il faut aller ici. Et là, on va dire salut. Salut! Il est content. Donc là, ça vend de la cocaïne, mais ça lui donne combien d'argent? Yo, ça nous donne juste 200? Yo, ça coûte 100 la traiter, puis ça nous donne juste 200. What? Oh. On va peut-être se mettre en sneak. C'est peut-être pas une bonne idée, en fait, ce truc-là. Merci beaucoup. C'est peut-être pas une bonne idée en fait. Je vais prendre quand même ça au cas où quelqu'un veut nous attaquer, mais je pense pas que ce soit une super bonne idée de vendre la cocaïne. En fait, quand vous n'avez, je pense que ça vaut la peine parce que tu sais, c'est quand même 100$ gratuit. Mais. Hey, qui m'a tapé? Je te tape, moi, mon Chris de gros noir. On dit merci à Jackie et Michel. Lol, salut. Mec, je m'en vais. Au revoir. Au revoir, jeune homme. Bon, je vais aller chercher plus de cocaïne et puis on va essayer de la vendre maintenant pour se faire masse de thunes et en espérant que la police vienne pas nous arrêter, mesdames et messieurs. Ok, les amis, le canard est de retour. Donc, là, j'ai pris ma cocaïne. Je me suis vidé dans l'inventaire au cas où, mais bon, je pense pas que ça soit super grave. Et là, je dois juste me souvenir c'est où. Je crois que c'est derrière ici. Je suis pas 100% sûr, par exemple. Attends, on va aller voir. Hop là, ouais, ici on peut monter. Ici, je crois qu'il y a un endroit. Bah, je crois que c'est ici, je suis pas certain. À 100%. C'est ici qu'on peut échanger la coca. En bas là, ouais, voilà. Super, je vais traiter ma cocaïne et puis je vous reprends dès que celle-ci est traitée. À tout de suite! Ok, les amis, c'est bon, j'ai tout transféré ça. On va les vendre maintenant. Oula. Je crois que ça se tabasse là à l'intérieur. Moi, je vais arriver là en mode salut. Pourquoi ils font pas la paix à la place de faire la guerre? Ça serait beaucoup mieux. Très bon 1v1, les amis. Je vais enregistrer ceci. Message EX. Vas-y, tu peux le tuer. J'encourage le gars. Moi je vois ma cocaïne tranquille. Et là, eux ils se battent comme des pigeons. Ça fait quoi sur un bandage? Oh shit, j'ai cliqué dessus sans faire exprès. Oups. Oups, oups, oups. On va l'aider un peu. Hop, allez, voilà. J'ai tué un garçon, regardez tout ce qu'il avait sur lui. Plein de merde. Allez, salut. Il reste 3 coca à vendre. Désolé, jeune homme, je voulais pas te tuer. Désolé, désolé, désolé. Pardonnez-moi, jeune homme. Et c'est reparti, les amis. On est un bon éleveur de cocaïne aujourd'hui, les amis. Vous avez vu ça? Incroyable. Donc, je vais encore aller faire cuire mes trucs. Ben, les faire cuire, les faire traiter. Ensuite, il faudrait aussi que je trouve comment en trouver, en fait. Genre, comment en avoir des feuilles. Parce qu'il y en a plein qui. En fait, toutes les feuilles que j'ai, c'est toutes des abonnés qui me les ont données. Mais il faudrait vraiment que je trouve aussi comment faire pour l'en obtenir moi-même. Donc, je me mets dans un coin ici, j'attends et puis je vous reprends dès que c'est traité pour qu'on ait encore PVP et puis les vendre. À tout de suite. Plus qu'une dernière, mes très chers coéquipiers. Et voilà, nous en avons assez maintenant. On va aller au Home Coca. Vous n'avez pas de feuilles de cocaïne. Voilà. Et là, on va aller les vendre en bas ici. Voilà. Si jamais vous voulez les coordonnées, je vais vous les montrer en vrai. Check. Voilà. C'est au sud. Pourquoi il y a plein de trucs? Ah, c'est les trucs de l'autre gars de tantôt.
Zut alors. Bon, on va vendre et puis on va voir si ça fait vraiment du profit. Parce que si ça fait vraiment du profit, les amis, c'est quand même gratuit à la fin. Tu sais, je veux dire, ça coûte pas grand-chose pour obtenir. On va pas se mentir, ça coûte vraiment rien. En fait, ça vous coûte 100, ça vous donne le double. Donc, c'est 100 de profit sur chaque feuille. Ensuite, c'est est-ce que ça coûte de l'argent avoir des feuilles? C'est ça que je me demande. Parce que moi, j'en ai pas obtenu personnellement en allant à l'endroit pour les récolter. Moi, je les ai obtenus grâce à vos dons, les amis. Quand vous faites slash don icons le beau gosse, ça vous. Là, j'ai aucun don parce que vous m'aimez pas. En plus, il y a des gros jackpots ici. On peut voir des gros jackpots. On verra combien de thunes qu'on a après. Et puis, si on a pas mal de thunes. J'essaierai de la parier comme dans la dernière vidéo en espérant pas tout perdre. Regardez, là j'étais à le début de la vidéo, j'étais à 800. Là, on est déjà à 3000, donc c'est quand même un super gros profit. On va pas se le cacher, c'est quand même assez énorme. Donc, selon moi, c'est la meilleure façon de se faire de l'argent pour l'instant. Après, peut-être qu'on va trouver autre solution, mais ça reste à venir. Yup, il y a un gars qui nous a rejoint, il s'appelle Massacreur. Massacreur, ouais. Et puis il y a une coca, il me reste une coca. C'est bon, je vais au spawn, je vais continuer à faire ça, les amis, parce que pour l'instant, ça me rapporte quand même pas mal de thunes. Il me reste encore quelques feuilles à faire traiter de cocaïne. Et puis ensuite, je vous reprendrai quand j'aurai terminé. On verra un gros total combien ça va nous donner. Est-ce que ça vaut vraiment la peine comparativement au melon, etc. Combien de melons ça nous prend pour faire exactement ça? Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué? On va examiner ça tout ensemble après. Pour l'instant, je vais retourner aller traiter la cocaïne. Et puis, s'il vous plaît, la police, venez pas m'arrêter. Et bon, tout est traité, les amis. Il nous restera ensuite 9 feuilles à traiter. C'est pas si compliqué que ça. En fait, c'est pas si long. Et puis là, notre argent l'a baissé. Mais bon, let's go, les boys. Il y a plein de gens qui. Hey, lui, il gagne plein de jackpots, gros. C'est hallucinant. Regardez ça. Il a gagné un jackpot juste avant en plus. What the fuck, il est trop chanceux. Je pense que vous étiez là quand il a gagné. De toute façon, je vous l'ai montré. Let's go. Hey, salut toi. Salut, on s'est vu tout à l'heure, mon ami. Allez, les amis. Je vous ai dit, c'était les 9 dernières. Oh shit, par exemple, il y a quelqu'un de. The base stuff. Oh non, il me tape. Tu veux faire Ali, mais tu me tapes, esti. Oh, quoi? 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 Tiens-toi. Vision dollar, en plus, je le connais, man. What the fuck? Il me dit quelque chose sur son pseudo, man. En vrai, je vais rester ici jusqu'à temps que mes cocas soient vendus. Oh, tabarnak, il y a de l'action, les amis, ici. Il y a de l'action, mesdames et messieurs. Je pensais pas qu'il allait avoir de l'action comme ça. Oh non, zut de flûte, les amis. Oh non, les amis, saperlipopette. Saperlipopette, les amis, qu'est-ce qui se passe? Oh non, zut de flûte, les amis. En vrai, le but, c'est juste de tenir le temps qu'on vende notre coca. Après ça, on pourra back, je crois, assez facilement. Peut-être. Oh, sacrément. Il y a un TP. Ah, si, je me disais bien qu'il allait TP plein de gens. Au pire, je m'en fous. Je veux juste. Je suis là pour faire la thune, en fait. Ok, je vois comment ça se passe. Il nous en reste juste 4 à vendre. Ça va aller vite, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Il y a lui qui est avec un casque en truc jaune. Maintenant, je sais pas pourquoi. Sûrement qu'il est en red broke. Il était même pas capable de me 1v1. Tabarnak. Bon, j'ai même pas le goût de taper. Je vais juste attendre ici, les gars. Je vais attendre que ma coca se vende. Est-ce que ça se vend quand t'es en combat? Oh, what the fuck? J'ai eu son casque puis son épée. Wow, what the fuck? Noob. What the fuck? Attends, le joueur elle vient de se déconnecter en combat. What the fuck? What the fuck? C'est moi qui ai eu son stuff, j'ai eu son casque et son épée. Wow, nice. Nice, nice, nice. Ben, merci mec. Hein. Ça fait toujours plaisir. Il me reste une coca à vendre et puis on peut se tirer d'ici. Il y avait quoi aussi? Oh, un arc punch! Nice! Il y aurait juste une coca à vendre. Et j'ai pas eu sa flèche par exemple. Ça c'est un peu embêtant. Je pourrais pas back. Mais on va quand même essayer. Hein. On n'a rien à perdre, mes très chers amis. Hop là. Hop. Oh, j'ai récupéré aussi ses perles. Est-ce qu'on peut perdre? Ouais, on peut perdre. Il n'y a pas de cooldown. Ah shit, on peut pas perdre en Warzone, je crois. Oh shit. Ça c'est problématique par exemple. En plus, j'ai pas de bloc non plus. Oh my god. Et en plus, on a deux cancers sur nous. Oh my god, non. Zut alors. Ah, zut alors. Ben regarde, sais-tu qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ce casse-là. Je vais faire broke ce casse-là. Je vais aussi faire broke mon épée. Puis ils auront rien, genre. Rien, rien, rien. Ils auront rien de moi. Ils auront juste l'épée de leur ami.
je broke leur casque, le casque du gars. Comme ça, son casque va broke, il pourra pas le récupérer. Faut juste taper, taper, taper. Faut essayer de survivre le plus longtemps possible. Dans le fond, moi j'ai vendu ma cocaïne, j'ai rien d'important sur moi. Même pas de P4U3, en fait, je pense. Ouais, j'ai juste ça qui est marqué bit, mais ça c'est mon casque à moi. Wapelite, nice, thanks. Let's go, mon pote. Continue, let's go. Il t'en reste pas beaucoup. 1%. Let's go. Oh, nice, nice, nice. C'est ça que je voulais. Je fais broke le casque de ton ami. Ça c'est nickel. C'est exactement ce qu'il me fallait. T'es vraiment un cancer, toi, par exemple. Vous pouvez pas genre 1v1, ça serait genre sympathique, mais merci. En fait, c'est de la merde, ça. C'est quoi, ça? P4U3 jambières, ouais. Ok, on va essayer de changer les jambières après. Je vais essayer de courir le plus longtemps possible, les amis, puis je vais vous reprendre si je meurs jamais ou quelque chose comme ça. En fait, je réfléchis, je vais essayer de le fight. Parce que mon épée, elle reste 200 dura, fait que genre... Si je réussis à le taper, genre, puis survivre à chaque fois, je pense qu'on devrait être correct, en vrai, pour survivre assez longtemps. Parce que en fait, 200 coups, c'est quand même assez rapide quand tu y penses. Surtout quand ils sont deux contre toi, tu fais juste taper, taper, taper. Puis j'espère juste qu'elle va broke. Sincèrement, genre, ça va être ça qu'il faut juste qu'on fasse broke. Mais je pense que mon casque va broke bien avant. C'est ça le petit problème. Mais bon, après, voilà, on s'en fout. Ça fait partie du jeu. Au moins maintenant, il fait 1v1. Au moins, après que j'avais plus d'amis ou quoi. Enfin, plus de dura, quoi, plus de vie. Il me reste encore des heals. Il me reste un arc punch 2 aussi, mais j'ai pas sa flèche de marde. J'ai-tu un arc infini? Oh fuck, il y a un arc infinity. Oh tabarnak, le calice, on va mourir ici, les amis, j'ai l'impression. J'ai peut-être un kit que je peux faire. Kit empereur. Ok, nice, 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 nice. Boom. Ok, j'ai été chanceux, ça m'a régène de 5 cartes. Let's go, ok, let's go, boys, let's go. Ça, c'est quoi qui a pété? Rien. C'est bon, let's go. Wapelai, wapelai, let's go, boys, let's go. J'ai sûrement un tacos dans mon kit. Non, j'ai pas eu de tacos. Fait chier. J'ai encore des bandages. Je peux encore me heal. Wapelai. Oh shit, les jambières. Wapelai. Ah, je suis mort! Hey, bravo, vraiment, vraiment très fort, vraiment, vraiment très bon, félicitations jeune homme. Mais au final, on a eu quand même 8000 de monnaie juste en faisant ça, donc c'est quand même vachement, vachement fort. Donc ça, faudra vraiment qu'on calcule parce que franchement, ça vaut vraiment le coup de vendre les trucs, nos fakes, ça vaut vraiment, mais vraiment le coup. C'est abusé comment ça vaut le coup, si on y pense. Ouais, c'est juste... ouais, c'est vraiment bon. Donc, moi, je vous conseille de trouver comment avoir de la cocaïne, parce que je sais pas encore, je vais essayer de le trouver aussi. Et puis, je vous dirai, puis on essaiera de voir, mais... sinon, c'était vraiment... c'était vraiment bon, quoi, comme truc. On va terminer avec un petit bet, donc... je vous reprends dès que j'ai trouvé le bon moment pour bet. À tout de suite. J'ai créé un call flip à 8200, espérons qu'on peut gagner. On aura 16000, ensuite... Oh, ben, let's go, c'est parti. Et... Ok, c'est bon, Nick, t'es mort.